Glouc, Il a glouc, planté, il a glouc. pas planté, pas de son. Et tu m'entends pas ou quoi? Bon, apparemment, coucou les gens. Ah ben non, mais ah, bon, bah, j'ai pas récupéré ma caméra, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, Doc ne nous entend pas. Parce que voilà, Ok, hashtag Discord. bonjour. Doc, est-ce que tu Mais il y a pas m'entends? de son sur Ah, Doc ne Discord. m'entend pas. Bon, bah donc c'est chez moi que ça merde. Donc on relance Discord. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est bien Discord? Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche Discord? Vraiment, c'est magnifique. C'est le logiciel que tout le monde attendait. Oui, mieux. Hein, le voilà, Discord, tout ça, tout Oui, ça. oui, oui. Quelle belle invention. Qu'est-ce que ça marche bien? Bon. Bon, voilà, on est là, on est présent. Donc, rebonjour les gens, tout ça, tout ça. Oui, tout ça, tout ça. Bon, bah écoute, voilà. Ah, t'es comme ça, toi. Pardon. Et t'as encore un espèce de moitié Larsen bizarre des fois. J'avais ouh. Enfin, je sais pas si tu l'entends, mais. Il se passe Non, des. j'ai pas ça. Alors, attends, je vais regarder juste un détail. Dès que j'aurai trouvé où c'est. Retrouver quoi ou quoi? Non, non, a priori, j'ai pas de. J'ai pas une option à la con qui serait cochée, qui ferait. Parce que si je fais ça, ça ne va pas changer grand-chose. Non, Bah écoute, d'accord. si t'as une option pour rajouter du Larsen, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, là par contre c'était dégueulasse. Voilà, et là c'est mieux. Oui, donc non, non, mais je Bah là regardais c'est dans les comme petites. d'hab en fait. Dans les petites options. Dans les petites options des pilotes audio, là, mais non, non, il n'y a pas. J'ai pas grand-chose. Mais enfin bon, on va lancer. C'est pas aussi Toc. funky que le bruit de la. Le bruit de La machine à la laver. machine à laver qui fait l'essorage. Non, mais Oui, franchement, bah. c'est classe, hein, fait un bruit de turbo. Elle te plaint pas, elle est pas dans la même pièce. Oui, faudrait que je regarde mes histoires de micro là, mais je pense que j'ai un problème avec la carte mère. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait dire ça qu'en essayant différentes prises, le problème est le même. Donc, Quel c'est soit les problème? pilotes. Moi, de mon côté, il n'y a qu'un canal, il n'y a plus qu'un canal qui passe sur le micro. J'ai plus que le canal de gauche. Quand j'enregistre ou des trucs comme ça, j'ai qu'un canal. Ou quand j'écoute en direct, j'ai qu'un canal. Alors qu'en face, apparemment, ça passe. Donc, soit les pilotes, soit. Le micro il est mono, enfin. Ben non. Ah, t'as un micro stéréo? Et en plus, j'ai essayé avec une prise mono pour être sûr de. J'ai un C'est parti! adaptateur stéréo vers mono pour être sûr. Ouais. Et j'ai le même phénomène. Donc, toutes mes vidéos depuis 2-3 mois, et tu entendras ma voix que sur le canal de gauche, en fait. Ah, c'est bizarre ça. Oui, Parce que particulièrement. là, je t'entends sur, je Oui, t'entends au milieu, là, normal. je sais. J'ai déjà fait des tests avec Zigzag. Et voilà quoi, je veux dire, quelque part. D'ailleurs, à ce propos, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je joue plutôt vers 22h, 21h30, 22h, donc. Ah oui, bah quelle idée. Il a un métier. Bah oui, mais quelle idée! Voilà, non, non, ça monte tranquillement. Il aimerait bien s'acheter son premier tier 7, mais il n'a pas les moyens. Mais sinon. Il vise quoi, un T29? Je sais plus ce qu'il voulait en premier, mais. Merde. Voilà. Aïe! Ah là Putain, là. ça me gonfle. Jeu de merde. Ah putain, je me suis fait voler le Hop, c'est kill. pas moi. Putain, Le mais. teamplay est présent néanmoins. Oui, bah, je suis mort. Voilà le teamplay. Ah bah, mais en même temps, je sais pas ce que t'es allé foutre en haut avec ton léger, mon gars. Je suis mort, mais tu ne le sais pas Hein, encore. hein, Hop, hop, hop. explique-moi ce que t'es allé faire là-haut avec un léger, vraiment. Je me balade.
Oui, non, mais non, il n'y a pas de balade en haut, mon gars. Le Wesh, wesh, wesh. château Wesh. a été retiré des circuits Tiens. touristiques. Hein. Tiens, voilà. De devant, je lui fais pas de dégâts, mais de derrière, j'ai pu le finir. Ah, j'espère que tu l'as fini à Salut. la main. Oui. Oui, je bouge. Hop, hop, hop. Hop, 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 chenille Non, HS. non, Chenille je vais pas me HS, taper non, les non, c'est bon. vivants. Ah, putain. Ah, ça fait une demi-heure que j'ai 15 points de vie. Ouh! Bon, bah, moi, je suis mort. Aïe! Parce que moi, au moins, je ne fais pas semblant, hein, contrairement à d'autres. Alors. Bah, en tout cas, je dirais, t'es bien accompagné. Et puis, la MX, je pense qu'il est pour toi, non? Non. Hop, Non, hop. parce que mon charme a énormément de temps à focaliser. Ah. Oui, mais en même temps, si tu t'en rapproches et que de toute façon tu bloques pour l'empêcher de tourner, pas bon. Oui, non, mais c'était pas très pertinent dans l'instant. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on va gagner tranquillement. Là, c'est quand même assez probable. Je sais pas si t'as vu les espèces de cons qui essayaient de m'empêcher de caper tout à l'heure. Non, non, j'ai rien vu. Je suis arrivé. J'étais en train d'essayer de refresh Discord et tout ça pour dire. Ah bah oui, bah forcément. Je croyais même que tu avais planté un moment, tu vois bien. Non, 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 bah, mon Discord avait planté apparemment, mais... Je suis spoté par qui? Je suis spoté où ça? Ah bah Comment écoute, ça, je suis spoté? je sais pas. Merci le sixième sens, mais d'où? Ah, peut-être l'artie. Je pense que tu es spoté par la drogue. Non, il n'y a plus d'artis. Oui, mais justement, juste avant qu'elle meure, je pense que c'est elle qui était. J'ai pas vu où ça s'est passé. En tout cas, je pense que ça devrait aller. Oui, mais je pense que je vais pas trop bouger, à moins que le ST. Alors c'est bon. J'allais dire, à moins qu'il ait pu faire le tour et remonter de l'autre côté et me redescendre dessus tout seul. Auquel cas, ça allait être un problème. Parce que c'est quand même un tier 5 premium et que déjà contre du tier 5 j'ai du mal, avec un tier 5 j'ai du mal, contre un STRVM 42. Bon. Donc avec mon tier 3 en papier mâché. Enfin bref, c'est gagné, c'est survécu, Tac c'est cool. tac. Bon, ben, voilà. Les choses se passent. Bon, par contre, ça fait pas beaucoup d'XP. Oups. J'ai envie de dire bienvenue au club. Ouais, non, mais 630 avec le x2, bon, voilà quoi. Toute grandeur et vicissitude de la vie de tankiste. Oui. Est-ce que je ferais pas une VOD, tiens? Allez. Ah Heureusement bah, que j'ai pas lancé OBS. si tu le sens. Un Ruinberg spécial dédicace à Goldberg. Et hop, c'est parti. Enfin, un moment que j'ai pas fait de BOD, donc. Ah bah écoute, les choses se passent. Bon, moi tu sais où je vais, hein. Pas Ouais. d'innovation particulière. Bah, moi je vais aller en E5. Ok, pourquoi pas. Moi j'ai en E0. Parce que je suis qu'un petit beurre, tout ça, tout ça. Et du coup, je me donne faim, évidemment. Alors, hop, on va essayer de slalomer entre les tanks. Ah bah je suis pas tout seul, tiens. Ça va être comme au Hellfest où il faut slalomer entre les tentes. Bah c'est ce que je suis en train de faire. Salut. Oups, salut. Lo Boum. lo Raté. lo Aïe. loin de moi l'idée de me prononcer sur la sexualité de la team. Bon, alors les ennemis ont l'air loin, on va Mais ça va avancer. aller, oui. Je ne vous permets pas, monsieur. Bon, monsieur, avec un PZ. Faut lui dire hashtag pas dans la rue. Hashtag pas sur le champ de bataille. Sauf qu'avec un PZ3, toucher un char à plus de 5 mètres, c'est l'enfer. Tout de suite l'autre. Je crois que c'est avec lui que j'ai fait deux kills tout à l'heure. Easy.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais oui. Mais ça va aller, oui. Mais je fais que de la merde, hein, c'est sympa. Ouais, j'ai envie de dire bienvenue au club. Ouais, non, mais c'est fatigant à force. Ça va qu'on est top tier, parce que du coup, j'ai pris... Aïe. Je sens que j'ai attiré le courroux des dieux, là. Ça m'apprendra à essayer de manœuvrer, tiens. Ça m'a coûté une chenille. Ils sont seulement touchés. Je les tire. Bon, faisons différemment. Commence à me gonfler. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va aller, oui. Non, mais... Celui-là n'a pas percé. Putain, mon char qui tient dans les coins, ça me gonfle. Putain, mais je suis tout seul au monde, quoi. Oui. Replie-toi, t'as plein de chasseurs derrière toi. Oui, ah bon. Merci de l'info, hein, j'avoue. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oui, bah écoute. Wouhou. Bon. Voilà, là je suis... Oh putain. Non, je suis pas peinard. Ah putain. Non, pas tellement, non. Putain, je devais être à l'abri, là, les enfoirés. On va tellement se faire prendre à ce niveau-là. C'est pas sûr. Ah bah, je t'ai garanti. C'est totalement garanti, sauf si les chasseurs font leur taf, mais ils ont plutôt l'air d'être... Je pense que les chasseurs sont tournés de ce côté-là, donc... Bon. On va essayer de se débarrasser des mecs en bas, on verra cet après. Le truc, c'est que personne ne spot pour les chasseurs en question. Donc franchement... J'y crois moyen. Aïe. Ils ont cassé une de nos chenilles, on est coincés. Péter leur chenille, t'entends? Bon. C'est bien rare que je fasse deux fois plus de dégâts bloqués avec... avec un PZ3, ça va bien qu'on était top tier. Ouais, bah ça... Bon. Garage, garage, plus loin que la nuit et le jour. Bon. Mmh. Là, la musique de Fort Boyard, ça me fait penser qu'en ce moment, Benzaï fait des trucs sur Fort Boyard, le jeu d'aventure. Ça s'appelle Fort Boyard, la légende, mais c'est juste magnifique. Bon, c'est tier 5 alors. Mais t'as plus de 4? Non, mais si, j'ai du 4, mais je parle des tiens. Ouais. Des tier 5, ça vient ou bien? Ben, j'en ai pas de tier 5, qu'est-ce que tu... Bah oui, c'est pour ouais, ça arrive. Eh, t'es gentil, déjà je m'achète d'autres tier 4, là. Est-ce que j'ai pris le M3 Ali? Non, je suis passé au lourd 4 japonais, je crois. Ah, le M3 Ali, c'est quoi, le type 95, c'est les Japs? Oui, chez les Japs, oui. Non, mais le M3 Li, c'est du 4. Oui, mais non, je repense au type 95. C'est un char en papier mâché. Ouais. Ah bah, c'est du papier mâché, mais lourd. ouais, mais il est pas solide. Hein. Écoute... Tu le défonces avec tout. J'ai envie de dire, ça va pas me changer beaucoup. C'est parti. Tiens, on va essayer un truc, tiens, allez hop. On va aller dans le petit village. Le village dans les nuages. Soyons fous. Normalement, c'est pas ce que je fais sur cette map, mais... Bah, surtout que là, tu sais... En bataille impromptue, normalement, je vais vers le bas, mais bon. Alors, par contre, si... Oh putain de merde. En fait, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Bah, c'est un peu ce que je me disais, en fait. Mais en fait, il y a un VK3001D qui s'est dit que, vu qu'il devait spotter, c'était une bonne idée de rester derrière les... Les chasseurs, normal. Ouais. Ah bah, techniquement, s'il a plus de champ de vision, il peut rester derrière et spotter, tu vois. Ouais. Ça va bien marcher. Il est juste top tier avec un médium... En même temps, les gens qui ont des médiums, hein, je veux dire, voilà. Bon, est-ce qu'on va viser un moment? Oui, merci.
Mais là, toi. Ah bon. C'est, on va dire, pour le moins risqué comme position. Oh, mais j'ai, pour l'instant, je les bait et puis ensuite il va se passer des trucs. Parce que là, les autres sont en train d'arriver. Alors, évidemment, si je leur dis que stratégiquement, c'est plus intelligent de, d'entourer les mecs que de se pointer devant. Tiens, ça va te contrarier, ça. Non, ça va te contrarier, ça. Et j'ai non, ça va te contrarier, ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voilà. Contrariages en cours. Je l'ai contrarié. Bon, par contre, je suis spoté, donc on va bouger, parce que normalement, il y a l'artillerie qui va me tomber dessus. Aïe. Ah, putain. C'est vrai qu'il y a l'artillerie. Aïe. Mon canon met tellement une plombe... Enfin, bon, bref, je suis mort. Mon canon met tellement une plombe à focaliser, c'est assez dégueulasse. Ça, c'est la maladie du PZ3. Alors... En même temps, j'étais pas en PZ3E, mais... Oui, voilà. Non, mais le T28, c'est un peu de la grosse merde, en fait. Ah bah ça... je reconnais, tu sais... ça sent les mecs qui ont voulu faire style, oui, tu vois, les gens, ils aiment les T29, alors on va leur faire un T28. Ah, t'es en train de report quelqu'un. Oui, ah oui bah, bon, parce c'est... que les armées de connards, ça va bien, quoi. Ah là là. Voilà. L'esprit de chou est totalement en toi. Tu es possédé par l'esprit de chou. Non, mais le mec, il a un char craqué, mobile et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se pose derrière des gars qui ont pas de vision et pas de mobilité. Ah tactiquement, bah. C'est le bon choix. Mais totalement. Toujours. D'ailleurs, on s'est fait défoncer. Ouais. Et Paul t'a niaisé, bah écoute, bonne journée Goldberg et à bientôt. J'espère qu'on te reverra souvent. Qu'est-ce que je vais sortir. Bon, je vais sortir ça. Ah bah oui. Bah j'ai un 3-4, les deux sont encore en bataille donc. Oui, non. D'ailleurs, je suis étonné que le 3 soit encore en bataille sur Winberg parce que c'était. La partie était déjà bien entamée quand je suis mort donc. Hein. La partie était déjà bien ruinée, oui. Paul-t'a niaisé. Oh là là, voilà, j'ai envie de tequila et de Heineken. Je suis fou. Je suis trop influençable. Bon, est-ce qu'il va nous trouver une partie? Et j'ai l'impression que c'est pas pressé. Bon, ah. Il se passe des choses. Les choses se passent. Allez, c'est parti. Tu pourras me rappeler de couper OBS au prochain... Enfin, pas la prochaine partie, mais la prochaine fois que je coupe... Le stream, faut que je coupe OBS pour récupérer ma cam, parce que, hashtag, toi-même, tu sais comment ça merde. Ah. Ouais, si je suis encore là, ouais. Bah, a priori, ça va être dans une demi-heure, donc. Bon, je vais aller me poser en A9, moi, tiens. Après, au moins. Oui, moi, je vais me poser en B9. J'ai une artie relativement mobile, donc... Ah bah, ce sera mieux que la mienne. Oui, non, mais justement, quand j'ai une artie pas mobile sur cette carte, je reste là dans les arbres au spawn. Mais là, avec celle-là, normalement, ça va à peu près. Bah, moi, le truc, c'est quand j'ai des arties pas mobiles, j'essaie de m'arranger justement pour ne pas avoir à bouger. Et bon, normalement, une fois que t'es en A9, B9, ouais, si les mecs voilà, ils arrivent sur toi, la partie elle est foutue. Donc, voilà. Si t'arrives à ton point d'arty alors que la partie est déjà finie, bon, c'est pas très. Oui, mais au moins pendant ce temps-là, tu meurs pas. Ouais, alors c'est pas le but premier du jeu en fait, ok, c'est important, mais. C'est généralement. C'est généralement un bon indicateur quand t'es artillerie. Hein.
Oui, si t'as supporté personne et qu'ils se sont fait défoncer, ouais, c'est. Bah, t'es Ah, déjà mort et tu ne le sais pas. bien. Allez, pif, pouf, pouf. De toute façon, tu vois, là, j'ai eu le temps de me caser alors que, alors qu'il y a strictement personne à porter. Bah, il n'y a pas de spotting, donc oui, forcément, du Ah, coup. mais le spotting, c'est pour les faibles, voyons. Moi, je l'ai raté. Bon, alors, voilà, les mecs sont 10 fois trop loin pour moi. Je me souvenais pas qu'il avait une portée aussi dégueulasse, ce truc. Le machin que je me tape, là. Bon, je l'ai ninja, mais c'est pas J'ai grave. GG. Mais non, tu fais du soutien. Tout lui apprendre, ce doc. Bon Qu'est-ce alors, que c'est? est-ce qu'il se passe des choses sur la colline? Il se passe des choses Ah, sur la colline. il se passe des choses, c'est qu'on se fait déborder de partout Mais et que non, mais personne n'en a non, rien à mais foutre. non. Il Mais se passe sinon, des ça va choses bien. sur la colline, c'est ça l'important. Non, les mecs, ils vont contrôler la colline et ensuite ça sera bon. Alors toi, avec ton Léon, ah bah bon, bah voilà, les mecs, je les regarde mal, ils explosent. Comme d'habitude. Hop, 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 à le T67. Merde, ah putain, mais pourquoi les mecs ils bougent, quoi? Tu veux pas rester là tranquille, décontracté du gland, tout ça, tout ça? Que le T67 est un char pas du tout mobile en plus. Oh bah oui, clairement pas. Ah putain! Coup critique, pas de dégâts, pas pété la chenille, c'est ballot. Il est en train Oui, de bah on est mort, voilà, qu'est-ce se que je te pointer dise? vers chez nous. Ah Rien de très putain, et lourd. Georges le touche pas. Le timing était bon, mais Georges le touche pas. Voilà. Clap, clap, clap. Hein. La team fout rien, totalement présente. Bah, tu vas te faire report, attention. Je m'en remettrai. Alors. Bon, bah, la team Fourien était totalement. Putain, Tiens. c'est toujours pas fini la bataille. Ah, Ruinberg, ah bah une défaite. Ah bah non, c'était avec autre chose, le T29. Ah bah oui, super, le T28. Ah, quelle joie! Quelle joie de faire du T28. Peut-être tirer 28, c'est. Mais Pourquoi bon, est-ce. après il y a le KV1. Après il y a le KV1. Pourquoi est-ce KV1, il est que. rigolo. Pourquoi est-ce que je vois le peloton en bataille? Et parce que je suis pas mort. Ah bon, mais je te croyais déjà mort, moi. Mais Ah quelle bah non. idée. Ah bah oui, bah je sais pas, j'avais entendu des exclamations négatives de ta part. Piou, bah écoute, j'ai en profité pour faire du menuing, parce que j'ai certainement plein de choses intéressantes à m'acheter. Ah bon, vas-y. Ton ta gueule. Comme ça, toi. Non mais c'est relou. La fenêtre du peloton qui sert à rien de sa life, qui est là, genre mais qu'est-ce que je m'en fous. C'est pas encore perdu, mais hop, 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 hop. Ah, putain d'artillerie qui touche rien. Ah bah ça. J'ai envie de dire à mauvais ouvriers, mauvais outils. Putain, la thune que je me fais avec le premium. T'as remarqué qu'on avait des jours premium à ce travail-là? J'en ai pas a priori, moi je suis pas au courant. Bah écoute, je suis allé dans, tu sais, machin, le truc juste à gauche de boutique premium. Et on m'a proposé de faire 3 jours pour 0 or. Donc, bah écoute, j'ai dit ouais, banco. À ce prix-là. Bah, ouais. Bon, mais je peux pas. Laissez-moi acheter ça. Merci. Alors, tic tic tic. Ah oh, putain, mais ça me. Qu'est-ce qui t'arrive? Suis contrarié. Les Et articles surtout qui se trahi. remettent à rien toucher. Ah.
Parce que t'as trop le stress. Love a soul to the company, so beep, 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 beep. Mais comment ça ne peut ne pas toucher ça? Écoute. Ah, mais okay. Tu es là, espèce de petit coquin. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. On va changer de char, celui-là il veut pas. Et tu me préviens quand t'as fini, hein. Oui. Ah bah voilà, quand même, un petit peu. Putain, vivement que j'ai le KV1, le KV1S et tutti quanti, hein. Le KV1, il est assez rigolo à jouer, il est bien blindé. Bah oui, mais le KV1S, il était bien craqué à l'époque. Je crois qu'ils l'ont nerfé plusieurs fois. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais jouer avec le KV après le KV1. Il y a quand même 3. Ah, j'ai fait un kill, on va perdre, mais c'est pas grave. Tiens, je vais me prendre un petit motor. Non, donc c'est fini là? Non, parce que on n'a pas encore tout à fait perdu. Ça va être dans quelques instants. Dans 5 secondes, c'est fini. Bon. Mais on a fucking T50 qui a décidé que c'était une bonne idée de pas. Hop, on va reporter le T50 dès que la partie sera finie. Voilà. Il avait décidé de pas quoi, le T50? Bah, il lui est resté quelques dizaines de points de vie. Il a dit, oh, bah non, je vais pas spotter, je vais me planquer. Tiens, vaut mieux perdre. Ah bah... Alors, où qu'il est? Toc. Je sais même pas comment comment reporte les gens, je veux dire. Clique droit sur son nom. Bon, piou piou piou, je suis prêt. Je crois que j'ai une radio toute neuve. J'ai écouté Fun Radio dans mon chat. Avec mes enceintes spécial tuning. Ouais. Le caisson de basse est présent. Bon, est-ce que les choses sont présentes? Et on est en défense, ok. Tu peux arrêter de taper sur... On est en défense. Bah oui. Écoute, excuse-moi, j'ai le rythme dans la peau, tout ça. Ah bon, alors, en défense ou... Moi, je vais aller spotter en D9. Je crois que c'est à peu près ce que j'avais en tête. Je pensais plutôt à C0, mais on va dire que c'est à peu près la même idée. Non, C0, c'est pas du spotting, c'est le sniping. Je spot d'abord de loin, si vous voulez bien. Comme ça, ils ont le temps d'avancer. Comme ça, après, quand tu avances, tu peux te faire défoncer. Une bonne tactique. Non. Après, j'attends que les mecs s'exposent entre les deux collines pour que, justement, les snipers puissent faire leur taf. Parce que tu vois, déjà faut s'assurer que l'arrière de la colline... Hop, 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 voilà. Faut s'assurer que derrière la colline, tu vas pas te faire spotter bon, de l'infini. Il arrive à fond la caisse sur moi. Mais non, t'exagères. Je te trouve vachement défaitiste comme gars. Ouais, je me trouve vachement spoté. Bah, il y a un peu un deuxième pote à lui, hein. Oui, mais c'est le premier qui m'a spoté par proximité. Oh merde! Mais! Ça va aller, oui! Tu vas crever, ça, là? Oui. Bon, bah voilà, ça s'est fait. Tu vois, j'ai choisi le rôle d'appât, et tu vois, ça a très bien marché. Tiens. Bien joué. C'est toi qui fais frouch frouch?
A priori non. Je bouge pas, je fais rien là. J'entends des bruits bizarres. Attention, T46. Hein. Oui, oui, mais il est derrière les maisons. Oui, oui, ça mais. Pas de souci. Voilà, non, le, mais. Le T34 va me faire plus. Le T-34, pardon. Que... va me faire plus souci parce que c'est un char qui a un rythme de tir, c'est l'enfer. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, le T-34, c'est ingérable. Attention au Panzer IC qui est sur la colline de gauche. Ouais, mais pour l'instant, il me voit pas. Ah, bien joué. Pour l'instant, il me voit pas. Maintenant, il me voit. Sixième sens. Sixième oui, sens. Clairement, clairement. Et le STRV-42 qui est en train de les défoncer. Une de nos chenilles est touchée. Parce que c'est un putain de char craqué. Ce qui m'étonne un peu, c'est que notre artillerie devrait faire un massacre et j'ai pas l'impression qu'elle se bouge beaucoup. C'est con, pendant un instant j'ai eu un angle sur le KVRS. Bon, j'aurais pas pu faire des dégâts, mais. Alors, si on y retourne. J'ai l'impression que. Nos artilleristes se sont rendus compte que maintenant qu'il y avait peut-être un petit problème au niveau de l'attaque ouest. Que le flanc ouest a été complètement délaissé. Ouais, mais en fait, c'est pas forcément une mauvaise tactique. Suivant comment c'est géré, bien sûr, mais il faut rester avec du spotting. Mais... oui, mais faut pas laisser l'artillerie sans avoir bougé du spawn. Quoi. Ouais, ils vont se faire bouillave dans les chiottes, tout ça, tout ça. Putain, le PZ3 qui sert à rien. Bon, le PZ1C il m'a gonflé, on va s'en occuper. Ah là là. Ça sera l'occasion de me démontrer la supériorité du PZ-3E. Ça dépend du contexte. Mais dans ce contexte-là, bien joué. Ça fait ça. Alors, on va aller chatouiller le Churchill, même si je ne vais pas lui faire mal. Et c'est lui. Mais comme il est en train de... comme il est en train de s'occuper de notre Churchill. En même temps, les chatouilles, ça fait pas mal, voyons. Voilà, je l'ai pas percé, hein, normal. Ouais, ouais, tu l'occupes, pendant ce temps, les potes sont en train de bien arriver. Voilà. Voilà. C'était un peu l'idée. Mais Alors, le PZ3 est un chat. N'allez pas trop... Moi j'y vais. Ils vont se rabattre, eux ils vont retourner en, voilà, vont retourner ça, en défense. Ça dit défendre la base. Voilà. Ah, voilà. Ce que je voulais c'était ça. Leur artillerie est totalement grillée. Et tu rates toucher tir. Sans lui faire de mal. Ah bah quand même, péter la chenille. Maintenant je vais pouvoir le défoncer. Et en plus, je suis pas spoté. Bon, il leur reste plus grand chose. A priori, je pense que c'est gagné. 13-7, ouais, même avec un M4 en face, je pense qu'ils auront du mal à retourner la situation. De toute façon, les M4, c'est de la merde, tout ça, tout ça. M4 LT67, oui, c'est bon, c'est des chars assez performants, mais... non, mais les M4... Par contre, là, je vais arrêter de pousser, parce qu'ils sont en train de se... ils sont en train de se rabattre, et que du coup, si je tombe dessus, c'est moi qui vais me faire des pop, donc... Non, je pense qu'ils sont tous les deux, ouais, ils sont... et de bien au nord. Au nord. Ouais, mais il n'y aura pas besoin de moi. Et oui, non, ça c'est... bon, moi je vais faire des slaloms. Je vais faire des zigs et des zags. Alors, reparlons du PZ-3E. Mmh. Le PZ-3E donc, a une vitesse de pointe très élevée, plus élevée que le PZ-1C. Il a un profil beaucoup plus large, donc moins discret. Par contre, avec le PZ-3E, sur le plat, tu peux pas te retourner en faisant un virage serré. Alors que le PZ1C, tu peux. Ça m'est jamais arrivé. Ah bah le PZ1C, il est tellement maniable. Tu fais des zigzags un peu trop violents, tu te mets sur le toit. Oui, je comprends le principe, mais ça m'est jamais arrivé. Et le PZ3E, surtout, il a une accélération qui est pas fantastique. Ouais. Donc ouais. Il met du temps à atteindre sa vitesse. Par contre, une fois qu'il est lancé, oui, il est assez rebouton. Tu lui donnes combien en pente comme vitesse max?
PZ3? Bah sur Non le plat tu fais du 65-68 donc mais en pente, il est dit le monsieur. en montée ou en descente? Bah en descente. En descente, faudrait que je regarde, je te dirai ça, mais on doit bien pouvoir friser les 70. Ah, parce que j'étais un peu avec mon Panzer IC, j'étais à 86 tout à l'heure, donc là. Je sais pas du tout, je peux pas te dire. Après ça c'est aussi très 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 différent selon les chars. T'as des chars, Oui, il y en a, ils supportent ils ont pas leur vitesse maxi d'accélérer. sur le plat et Voilà, puis ils prennent et elle rien de bouge plus. pas, voilà, tout à fait. Voilà. Puis t'en as d'autres, t'es à 20 km de la vitesse maxi sur le plat, puis il y a 10 de plus sur les descentes et tu fais OK. Oh putain, ça fait longtemps. Il y a un lac, il y a une ville. C'est Ouais. Ruinberg. En bataille impromptue. Bon, En partant du sud, ça veut dire qu'ils ont l'avantage sur le spotting, ça veut dire qu'on va se faire déboîter, mais c'est pas grave. écoute, moi je suis médium. Je suis médium. Bon, je parle avec les morts et je vais bientôt les rejoindre. Je vais essayer de passer Tu es un médium translucide. flanc de colline. Oui, tout à fait. Je vais passer à flanc de colline si je peux. À flanc de colline, le long du lac? Ouais. Ok, c'est optimiste. Ben, passer, techniquement non, je vais pointer mon nez et puis Oui. probablement mourir très vite, mais on se comprend. Oui, bah oui, parce que normalement c'est du spotting rapide qu'il faut faire à cet endroit-là, mais écoute, fais pour le mieux. De toute façon, tu sais, t'es 28, ils étaient 28. Hein. Je te dirais bien, reste par l'abri là où tu es. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, t'inquiète. Oula, oula. Il y a des gens qui me disent oui, le T95, c'est un char en plastique, bah, c'est lui qui m'a défoncé pour le coup. Bon, bah écoute, voilà. Ma partie est faite. J'arrive pas à pénétrer de blindage d'un putain de Bah, M51 Stuart quand même, c'est. attends, tu lui as retiré la moitié de sa vie, calme-toi. Oui, non, mais la première Ah c'était bah. n'a pas pénétré le blindage, Bah pas de coup oui. critique, rien du tout. Ça arrive, ça arrive. Ouais, sauf que là, du coup, la partie est perdue. Selon toute vraisemblance. Bah je vois pas grand monde. Je vois pas grand monde aller vers la ville. Je vois pas grand monde bouger son cul tout court. Oui, mais là tu comprends. Oh, il y a des cibles, il y a des cibles. Oui, mais il y a une montagne entre toi. Il y a des cibles, il y a des cibles. Donc, hein, forcément, voilà. Et je te rappelle que tu es un chasseur. Hein. Ouais. Oui. Moi, je dis ça. Ce n'est qu'une On est d'accord. suggestion de présentation, comme on dit chez McDo. J'ai envie de dire tam tatam tatam tatatam. Ok. Petit crusader qui se met en couverture derrière moi parce que c'est son rôle en tant que scout, hein, forcément. Ah bah écoute, les chars légers, ils restent à l'abri, ils sont pas fous. Et hop, à défaut de faire autre chose, on va capter un petit peu. Au moins, fais quelque chose de ta life, pas contrairement à d'autres. Il y a du monde de l'autre côté du lac, on sait, oui, c'est pour ça. Ah bah. Les mecs de la sortie du canyon, tu les reconnais direct. Ça fait beaucoup de frouch-frouch hein, chez toi. Merde! Mais je sais pas quoi te dire parce que le micro est accroché, je bouge pas, je fais rien, donc Tu est-ce que respires c'est. trop fort. Hein. Ouais, je vais arrêter de respirer, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que je sais pas? T'as beau pas avoir un clavier mécanique, on l'entend bien quand même.
Techniquement, c'est un clavier mécanique. Mais bon. Il est mécanique à membrane. Oui, Qui donc c'est pas un est... clavier. Ben, mécanique. Pas un clavier sensitif. Oh, bien joué. Bien C'est joué, pas il sur moi était qui temps de tirait se... en fait, Oui, hein. mais il était temps de se retourner. Ah oui, tu... c'est totalement toi qui fais fritch-fritch. Il bouge pas. Là, en fait, c'est à ce que je vois, hein, c'est la sensibilité de ton micro qui est trop grande. Enfin, la sensibilité de Discord à ton micro. Ah oui, bon, Donc, ça arrive. du coup, tu vois, les petits sons, etc., sont pas filtrés. Oui, le Churchill, on va pas te soutenir parce que c'est moi qui ai le plus de points de capture et que si je meurs, on va retomber à zéro, donc ça sera pas très drôle. Donc voilà. Désolé. Les Churchill, c'était rigolo, hein, mais un moment seulement. Mais les Churchill, il y en a tellement différents. Il y a le 1, le 3, le 7. Ouais, non, mais bon, globalement. Globalement, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un FH-18B2 en face. Ouais, reste à l'abri des artilleries, j'ai envie de dire. Mais c'est, je pense que c'est le Churchill qui va me poser le problème le plus vite. Ouh. C'est arrivé tout près de toi, hein. Je Oui, sais pas si oui, t'as oui. vu. Et il Oui, est en c'est train de faire génial. le tour, donc faut encore te retourner. Hop, salut. C'est pas moi, je suis pas là. Putain, elle fait quoi l'artillerie, Elle bordel? vient de tirer juste à côté de lui. Ah bah oui, ben bah voilà. Et pendant ce temps-là, il y a la M4 qui lui fait le fion, donc je vais sortir. Salut. Salut. Ah, merde, j'ai raté. Enfin, j'ai pas percé. Ah, un petit coup dans la chenille, c'est bon ça. J'ai Ouais, tiré mais dans l'église. Voilà. bah, écoute, le carriage de game est présent. Oui, ça va bien que ça a joué assez en équipe. Bon, il y avait un 9-4 chaque côté, hein. Ouais, mais ils ont quand même fait beaucoup de merde dans la team, hein. Parce que tu vois, moi la tactique, oui, on va passer par le canyon, on va les contourner, wesh wesh, ça marche jamais ever. Je sais pas si c'était arrivé que ça marche sur Oui, cette map-là, dans j'ai cette vu. circonstance-là, mais franchement, c'est très rare. J'ai vu ça gagner, oui. FH-18B2 qui a buté un T-34. On allait pas mal. Bon. Bref. Piu, piu, piu. Bah écoute, voilà une partie gagnée sans coup férir. Bon, alors du coup, je vais couper la VOD, mais ne vous inquiétez pas, on reste Déjà? là sur Ah Twitch. bon. Bah, 45 minutes, enfin, on est Oui, 43 bah minutes, oui. voilà. Bah tu penseras à couper BS alors? Oui, exactement. À tout de suite, on se retrouve Oui, au revoir les gens, tout en. ça. Merci Doc, merci Golden qui est peut-être quelque part. Ah, peut-être Goldberg. À tout de suite.